Tout est bien qui finit bien. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté son séjour de travail de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Cairo, pour s'imprégner de l'expérience et capacité des ingénieurs et architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appellera Kin-Kitoko. Le président Félix Antoine Tshisekedi est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères, le siège du Parlement, ainsi qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'église catholique orthodoxe. C'est déjà terminé pendant 3 ans. التي تستقبل قريبا العاملين بالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب. La nouvelle capitale administrative sera capable du top possible de recevoir des employés et parlementaires de différents ministères. كما استقبلت في الأعوام الماضية طلبة الجامعات الدولية. Et lors des dernières années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves de différentes universités. والمدارس ورواد دور العبادة. Les lycées, les universités. L'occasion faisant le larron, le grand de la nation a profité de cette occasion pour visiter les pyramides ainsi que le monument du Sphinx qui a toute l'histoire de l'Afrique. Excellence français, japonais, égyptien, et chercher quelque chose. C'est plus que dans les pyramides. Mais encore, il y a un fond. C'est au coup de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.